Bonsoir à tous, et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve, comme chaque fois d'ailleurs. Ce sont des moments que j'apprécie justement de pouvoir partager avec vous. Alors souvent ce sont des réflexions qui me sont inspirées par ce que j'ai vécu dans la journée, par les rencontres que j'ai faites. Justement aujourd'hui j'ai rencontré un ami proche, un confrère également. Et le pauvre était vraiment tétanisé. Il avait passé une très mauvaise nuit. Il était complètement absent. On sentait qu'il y a quelque chose qui travaillait beaucoup. Et ben, je m'en suis ouvert à lui et on a eu un échange. Et simplement, ben voilà, le pauvre vit des choses qui sont difficiles, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui commencent à le vivre. Comme il est psychiatre ou psychologue plutôt, ben, il dépend évidemment du fait d'avoir des clients dans son cabinet. Et puis, compte tenu ben, justement des confinements, des distanciations sociales, il y a de moins en moins de gens évidemment qui fréquentent les cabinets. Travailler à distance n'est pas toujours possible et puis pas toujours aisé dans ce type d'activité. Et puis, compte tenu de la situation et des incertitudes également que cette situation crée auprès du grand public, eh bien, beaucoup ont commencé à resserrer les cordons de la bourse parce qu'eux-mêmes vivent déjà des difficultés ou ont des craintes par rapport à l'avenir, si bien que ben, dépenser ou plutôt s'accorder un budget pour sa santé mentale, si je peux m'exprimer ainsi, est une dépense souvent qui est retirée des dépenses mensuelles. Donc, ben, voilà, moins de clients, moins d'argent qui rentre. Et au bout du compte, ben, ça le met en difficulté puisque ben, il a un certain nombre de retards de paiement sur un certain nombre de choses, ce qui peut potentiellement hypothéquer son activité. Donc, rien de particulier, ce sont des choses que beaucoup de gens vivent, mais évidemment, ce sont des choses, surtout quand on a mis tout son cœur et tout son espoir dans le développement de ses activités, ben c'est une chose qui est parfois très difficile à vivre, et je le comprends parfaitement bien. Alors la question qui se pose justement est, ben faut-il regarder ses peurs? Et c'est une vraie question, parce que finalement, quand on regarde ce qui se passe, j'ai un ami ben, qui regarde tellement ses peurs, ou sa peur, la peur des conséquences de sa situation actuelle, des conséquences de son manque de clientèle, etc., que finalement il s'en retrouve tétanisé. Et plus il est tétanisé, moins il a de clients, et plus évidemment, ben, ça risque de s'amplifier, et donc il aura de plus en plus de raisons d'être tétanisé, et sa peur ne va faire que grandir, probablement. Donc, regarder sa peur n'est pas toujours une bonne chose pour pouvoir la voir et regarder exactement quelle est la situation et la voir en face. Oui, c'est normal qu'on le fasse, sinon on va avoir beaucoup de mal à pouvoir poser un diagnostic et apporter une réponse à la question. Après ça, garder son regard sur ce qui nous fait peur est probablement pas une bonne idée. Pourquoi? Ben parce que ça veut dire aussi qu'on ne porte pas notre regard et on ne place pas notre énergie dans ce qui pourrait commencer à résoudre ce problème. Or, c'est la résolution qui réclame toute notre attention, pas le problème. Donc une fois qu'on a identifié le problème, qu'on comprend à quoi il ressemble, après ça, il faut plutôt se poser la question, dans l'exemple qui nous occupe ici, ben, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour aller rechercher des clients? Alors heureusement, c'est une chose qu'il a faite, hein, je vous rassure, là n'est pas la question, mais qu'est-ce que je pourrais imaginer de nouveau? Qu'est-ce que je pourrais imaginer de différent? Et puis une fois qu'on a défini cela, ben, placer toute son attention dans la mise en œuvre de la chose en question. Et donc, continuer à regarder sa peur va juste nous empêcher de faire ce genre de choses. Donc, une fois que la chose est là, qu'on l'a observée, qu'on l'a identifiée, ben, l'idée, c'est beaucoup plus de poser son regard sur ce qui nous permettrait de pouvoir en sortir, et puis surtout de placer toute son énergie dans la réalisation des choses, dans le plan qu'on s'est dressé. Alors, évidemment, si on écrit ce plan, ben ça nous permet de nous vider la tête et donc de retrouver de la disponibilité mentale pour faire face aux imprévus s'ils se présentent en cours de route, parce qu'il y aura probablement des imprévus. Le scénario ne va pas nécessairement se faire comme nous l'avons imaginé d'emblée. Et donc on a besoin d'avoir de la disponibilité mentale pour pouvoir travailler ça. Et le secret, justement, ça fait partie des choses que j'enseigne à l'entreprise. Quand on parle de management, par exemple, ben c'est de travailler avec ses plans d'action, de travailler avec ses plannings, de travailler avec tout ce qui nous permet de décharger l'esprit de façon à retrouver de la disponibilité mentale pour déjà ben, observer que
Par exemple, il y a un impondérable qui s'est présenté ou il y a une difficulté qui est là, et de pouvoir travailler dessus parce que justement tout le reste est sur des papiers, évidemment, à condition de retourner vers ces papiers pour pouvoir continuer et suivre ce processus. Donc c'est vrai que ça réclame une certaine discipline. Mais donc c'est ça, c'est de récupérer l'attention et de porter l'attention là où on a besoin de le porter. Alors j'ai pas dit qu'il faut porter son attention sur ses espoirs. Alors ça peut être une bonne chose en termes de motivation. Mais porter son attention sur l'objectif, on sait bien, ça nous donne une direction, mais ça ne nous est pas nécessairement avancé. Parce qu'en fait, là où on doit porter notre attention, c'est sur les efforts, sur les actions qu'on a besoin d'entreprendre pour atteindre cet objectif. Je veux dire, l'objectif qu'on s'est fixé, l'atteinte de cet objectif n'est jamais qu'une conséquence. Je ne peux pas gérer, comme je l'ai déjà expliqué, je ne peux pas gérer un objectif. Je peux gérer ce qui me permet d'atteindre cet objectif, ça oui. Donc, à nouveau, regarder ses peurs n'est certainement pas la bonne chose à faire. Enfin, si, la regarder en face de façon à la dénoncer, comprendre ce dont il s'agit et pouvoir travailler à y mettre des solutions en place, oui, ça oui. Mais rester focalisé dessus, en être tétanisé, ça n'aide certainement pas. Donc la première chose à faire, c'est arriver à prendre de la distance émotionnelle par rapport aux choses. Alors prendre de la distance émotionnelle, c'est une chose qu'on a déjà abordée ensemble une ou l'autre fois. La façon classique de faire en PNL, ben, c'est, dans mon cas par exemple, mais d'imaginer qu'à 1 mètre de moi, derrière moi, il y a Philippe qui est là également. Et il y a ce Philippe qui regarde, le Philippe qui est ici, qui est dans la scène, qui le tétanise par exemple. Mais le Philippe qui est à 1 mètre n'est pas dans cette émotion, c'est un observateur. Et donc si j'arrive à placer mon esprit sur ce Philippe-là, qui est purement virtuel, j'entends bien, mais que je me place dans cette position-là, je me place dans une situation où je suis dissocié émotionnellement. Maintenant, si malgré tout, parce que la situation devrait être très intense, je ressens encore des choses dans cette position-là, je peux avoir un troisième Philippe qui est à quelques mètres de ce deuxième Philippe, qui est à quelques mètres du Philippe que je suis moi, et ce troisième Philippe là-bas dans le fond, il observe le Philippe qui est occupé à observer, le Philippe qui est dans l'action et qui est peut-être tétanisé. Le deuxième là-bas dans le fond, à coup sûr, il ne sera plus du tout dans les émotions, puisque ce sera une sorte de double observateur. D'accord? C'est ce qu'on appelle une double dissociation. Donc ça, c'est un bon truc, c'est une bonne façon de travailler pour prendre de la distance émotionnelle. Ça aide dans un certain nombre de circonstances. Donc les temps sont difficiles aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes un peu tous pris de sidération. Simplement, on est là, dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et on est là, tétanisé, puis on bouge plus parce qu'on a déjà du mal à décoder la situation, à en comprendre les termes, à en comprendre les enjeux, à comprendre ce qu'il y a derrière. Et donc, on n'arrive pas nécessairement à décoder la situation et à apporter ce qui nous empêche d'apporter les solutions qui pourraient être pertinentes. Alors, on essaie bien quelques solutions qui nous viennent à l'esprit parce qu'on ne reste pas toujours les bras croisés, mais on se rend compte assez systématiquement que, ah tiens, ça ne fonctionne pas, ah tiens, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas non plus. Puis à un moment donné, on se retrouve un peu à court de possibilités, simplement parce qu'il nous manque de l'information, il nous manque des éclaircissements qui nous permettraient justement d'aller vers les solutions qui sont peut-être les solutions qui, elles, fonctionneront. En quelque sorte, notre référentiel est faussé. Donc, quand j'ai un problème, qu'est-ce que je fais? Je prends mon problème et je le place dans un référentiel. Mon référentiel, il est fait de plein de choses. Il est fait de ce à quoi je crois, de mes expériences passées, de la vision que j'ai développée du monde, etc., etc., etc. Donc, je place le problème dans ce référentiel. Pardon. En fonction de ce référentiel, je vais positionner le problème en question. Et puis, de façon assez logique, vont découler de cela des solutions. Évidemment, si mon référentiel est faussé, le positionnement de mon problème sera faussé. Évidemment, il en découleront des solutions, mais qui seront inopérantes, qui n'apporteront pas un mieux-être, un changement, en tout cas un changement positif, efficace, constructif, qui gommera le problème. Non, simplement, ça créera un problème différent. Donc, ce qui est excessivement important d'avoir, évidemment, c'est un référentiel qui est bien positionné, un référentiel qui est correct. Et là, il y a beaucoup de pièges à dépasser. Donc, déjà, il y a le piège de l'information, et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu extérieur à nous. Il y a le piège de la curiosité, qu'on n'a pas toujours de façon suffisante, hein. Donc, je pense qu'il est important d'être curieux de tout, d'avoir l'esprit assez ouvert, de s'ouvrir aussi à d'autres pensées, surtout quand les pensées dominantes, on les a déjà explorées et qu'elles n'ont pas apporté leur lot de solutions. Peut-être doit-on commencer à regarder des options qui sont peut-être des options qui sont moins courues, qui sont peut-être décriées ou qui ne sont pas toujours dans l'air du temps.
parce que voilà, il y a peut-être quelque chose à apprendre de ce côté-là. Peut-être a-t-on rejeté trop tôt, trop vite, ou pour les mauvaises raisons, un certain nombre d'autres explications, ou un certain nombre d'autres informations. Et puis, derrière, il y a également notre capacité à pouvoir trouver des solutions par rapport à ça. Donc au niveau du référentiel, ah oui, au niveau du référentiel, l'autre chose aussi que nous avons beaucoup, c'est les pièges de l'esprit. Ce sont tous nos biais cognitifs qui peuvent être là, ce que j'appelle les pièges de la pensée. Et donc, développer une pensée juste, une pensée droite, une pensée qui est dans la rectitude, une pensée qui est correcte, est quelque chose d'important. Alors c'est quoi une pensée correcte? C'est pas moi qui en décide, hein, c'est pas un jugement de valeur, c'est simplement une pensée qui sort les bons effets. En ce sens que la solution à laquelle j'aurais pensé porte effectivement ses fruits. Donc ça prouve que là j'ai une pensée qui est correcte. Mais on a beaucoup de biais cognitifs qui sont là, ou de biais de la pensée, qui finalement faussent le référentiel dans lequel nous plaçons le problème pour l'analyser. Et comme j'ai un problème qui est mal formulé, mal positionné, évidemment, derrière, je réfléchis, je ne peux pas réfléchir correctement aux solutions. Et même si ma réflexion est correcte, elle part d'un point de départ, d'un ensemencement qui est faussé. Donc, regarder ses peurs, ça n'aide pas. La voir une première fois, c'est important pour savoir ce qu'il en est. Derrière, prendre le temps de développer des solutions et ensuite concentrer son regard sur les solutions en question, surtout si elles sont opérantes. Et puis, soyons très francs vis-à-vis de nous-mêmes. Si nous voyons que les solutions ne fonctionnent pas, tentons de comprendre pourquoi. Et souvent, elles nous permettront justement de pouvoir aller tout doucement corriger notre référentiel en allant corriger ce qui était à l'origine, disons, de ces solutions inopérantes. Donc c'est une bonne façon aussi de tout doucement se développer un référentiel qui est solide et des habitudes qui sont solides pour pouvoir réfléchir. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors comme d'habitude, laissez vos commentaires, ce sera avec plaisir que je les lirai. Et puis si j'ai le temps, j'y répondrai également. Donc lançons les échanges autour de cela. J'espère vous revoir très très vite et puis en attendant, portez-vous bien, beaucoup de bonheur à vous. Dans ces temps difficiles, je souhaite à chacun que tout se passe bien pour lui ainsi que pour sa famille. J'espère que chacun trouvera des solutions qui lui conviennent pour pouvoir continuer à avancer et vivre en parfait équilibre et en parfait bonheur chez lui. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi avec vos suggestions, et ce seront peut-être des vidéos nouvelles qui nous permettront de partager des choses, ou avec vos commentaires tout simplement. Portez-vous bien, à très très bientôt.